Les 1,5 degrés, on va les passer entre 2030 et dans 2035. Les 2 degrés qu'il ne faudrait pas dépasser, on va les dépasser sans doute, quoi qu'il arrive, aux alentours de 2045-2050, à cause de l'inertie du carbone qui est déjà dans l'atmosphère. On y est déjà. Parce que j'entends bien que c'est mieux, mais ce dont on a besoin, c'est d'une rupture massive.